Nous sommes à Bordeaux, sur les quais de la Garonne, qui viennent d'être entièrement réaménagés. Pour effectuer des travaux urbains d'une telle ampleur, je suppose qu'il faut à l'origine une réelle volonté politique. Oui, en 1995, lorsque j'ai été élu pour la première fois, j'ai proposé un projet global aux Bordelais. Ce projet reposait d'abord sur la construction d'un système de transport collectif qui n'existait pas à Bordeaux. Je me suis beaucoup battu dès le départ pour que l'une de ces lignes soit sur les quais, le long des quais, parce que je pensais que c'était un outil d'aménagement formidable. Et puis, quand on est dans le tramway et qu'on longe la façade des quais, c'est que du bonheur, bien sûr. J'ai pensé donc que maintenant, compte tenu du fait que la rive droite s'est quand même urbanisée au 19e et au 20e siècle, il fallait rétablir un lien entre les deux rives et réaménager les deux berges, d'où le projet des quais. Il y avait des projets qui étaient beaucoup plus minéraux. Il y avait un projet qui consistait à paver les quais depuis la façade jusqu'au fleuve. Et ce qui m'a plu dans le projet de Michel Corrajoux, c'était au contraire ce souci de la convivialité, du vivre ensemble. Votre projet prend place dans un lieu qui a un passé, une histoire. Comment avez-vous fait avec tout ça ? Il faut comprendre que pour les Bordelais, le port, c'était une chose extrêmement importante. C'est une émotion, le port. Et l'idée que le port s'en aille a été, pour beaucoup, une chose difficile à admettre. Et donc, au fond, le fait qu'on garde ces bollards, et le fait qu'un jour, on imagine que le port puisse reprendre une activité, pas commerciale comme il l'était, mais bon, une activité touristique, et puis que des bateaux viennent en plus grand nombre, on a gardé cette possibilité. C'est pour ça qu'on a gardé cette sorte d'avancée derrière cette barrière qui permet aux bateaux de rester accrochés. On pourra remarquer aussi que cette barrière, on l'a fixée dans un ancien rail qui était le rail sur lequel circulaient les grandes, ce qu'on appelait les cocottes, qui étaient des grandes grues qui desservaient les bateaux. Et cette sorte de complicité discrète entre le passé historique du port et la manière d'installer cette rambarde me plaît beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas très ostentatoire, mais ça veut dire que quelque part, on est resté attentif à l'idée que notre aménagement n'éradique pas tout, ne casse pas tout. Et cette partie du quai entre la barrière et la pierre qui reste en l'état est une façon de parler de l'ancien port. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait fait d'une façon consciente. Mais ce qu'on n'a pas raté inconsciemment, disons-le, c'est qu'on n'a pas perdu l'amplitude de tout ça. Bien sûr. C'est que l'amplitude était là, je vous le disais tout à l'heure, la beauté, elle était là. Il y avait ce grand espace gigantesque, cette façade magnifique, ce fleuve très grand. On aurait pu mal faire au sens où on aurait pu encombrer tout ça. On ne l'a pas fait. Voilà. On ne l'a pas fait. Au fond, notre réussite est plutôt celle d'avoir été mesurée. Ce projet est très économe de moyens parce qu'on a récupéré beaucoup de choses. Par exemple, tous les pavés qui sont ici sont des pavés qui existaient sur le port, qu'on a récupérés. Certains, nous les avons sciés, d'autres ont été gardés en l'état, comme ici. Parce qu'ici, il s'agit d'une aire de distribution des cars pour l'accueil des grands bateaux. Les bancs, là, c'est pareil. C'est le banc de la ville, mais il est transformé parce qu'il y en a beaucoup d'un côté, mis côte à côte. Ouais, ils sont posés en dos à dos. Et puis, ils sont posés dos à dos. Simplement ça, c'est une façon de repenser, redessiner l'objet. Ici, on marche sur un sol qui est un sol industriel. Il nous permet de le traiter de plusieurs façons. On le voit au milieu, on a une partie beaucoup plus lisse sur laquelle les rollers et les vélos glissent parfaitement bien. Et puis une plus rugueuse sur laquelle les piétons peuvent marcher. Ce n'est pas une interdiction. Tout le monde se mélange. Non. On voit bien, les vélos circulent aussi bien là que là. Il n'y a pas de limite entre Mais les deux. C'est une surface de glisse formidable parce que ce béton est très tendu. On ne glisse pas, mais il est très tendu. Et ça fait une très belle surface. Et on a travaillé la couleur de ce béton de manière à, je sais pas quoi, à évoquer la couleur de la Garonne. Ma botte secrète, elle est ici, qui est un événement qui ne se produira que dans une quinzaine d'années. C'est qu'on a décidé de planter les quais. C'était une chose qui était considérée par beaucoup comme inconvenant. Un quai, un port, c'est pas un endroit de plantation. Or moi, je disais tout à l'heure, il fallait que je fasse faire le deuil du port. Et faire le deuil du port, c'est-à-dire qu'il fallait que j'annonce l'espace public. Et je pensais que les arbres étaient le moyen d'annoncer l'espace public. Et en plus, ces quais, c'est une intempérance absolue. Il fait une chaleur terrible. Et que vous ne pouviez pas laisser 4 km de quai comme ça sous le soleil
Cette idée de l'ombre et de la lumière, ça rejoint cette préoccupation qui a été celle, la mienne tout le temps ici, c'est que comment réguler climatiquement ces quais ? Alors que la ville, à l'intérieur d'elle-même, le fait très bien. Il y a une sorte de rythme de la lumière et de l'ombre dans la ville qui est magnifique, ce qui fait que Bordeaux est une très très belle ville. Eh bien, moi, je pensais qu'il fallait que je fasse ça sur les quais, mais je ne pouvais pas le faire, évidemment, avec des bâtiments. Et je pensais que les arbres allaient être mon outil de prédilection. Tout le monde connaît la sensation d'être le corps à l'ombre et les jambes dans la lumière. Donc, tout le monde sait ça. On a inscrit ça dans nos gènes, non ? Cette espèce de félicité. Comment imaginer que quelqu'un puisse avoir la liberté de s'exprimer corporellement, sinon d'être dans une sorte de félicité qui est donnée par justement la présence de la qualité de la lumière ? Il faut savoir qu'avec Alain Juppé, on a établi une complicité très grande sur l'idée du confort. Oui. L'idée qu'au fond, ce qui nous intéressait l'un et l'autre, c'était que les gens soient confortablement installés sur les quais. Oui. Mais on arrive ici à un lieu particulier, qui est ce bâtiment de Gabriel. Essayons d'imaginer qu'on ait des arbres aux deux extrémités des quais, comme une source, une fabrique, et que les arbres sortant de cette fabrique s'égrènent progressivement sur les quais. Mais il est vrai que face à ce bâtiment, il était impensable d'imaginer qu'on plante des grands arbres devant cette façade. Il fallait s'agenouiller, non ? Voilà, je m'agenouille. Et vous avez été loin dans cette... puisque vous avez même empêché qu'on y pose des abribus, puisqu'il n'y a aucun élément de mobilier devant la bourse. C'est vraiment une volonté qui était la vôtre. La vôtre et celle d'Alain Juppé, oui, où on a interdit tout édicule, toute billetterie de la part du tram. Ce qui fait que c'est la seule station du tram où vous pouvez monter sans payer, parce que vous n'avez rien pour acheter votre billet. Et c'est en faisant une photo sur le toit de ce hangar, un jour de pluie, il y avait une flaque d'eau, et j'ai vu le reflet du clocheton de la Bourse. Ce qui m'a donné l'idée. C'est le toit du hangar. Ce qui m'a donné l'idée de me dire, mais au fond, qu'est-ce que je peux faire de plus. Quel acte je peux faire de plus respectueux du patrimoine que de doubler ? On a inventé un lieu urbain particulier, ouais, qui est spécifique ici à Bordeaux. Voilà, c'est le monument de la ville de Bordeaux, c'est le miroir d'eau. Ça, c'est une réinterprétation de ce qu'on pourrait appeler les massifs fleuris de certains jardins classiques. Mais ce que vous voyez, il est grand, c'est très grand. Ouais. Et donc, même si vous avez des rapports de couleurs parfois, il n'y a pas beaucoup de fleurs en ce moment, mais ouais. Au mois de mai, etc., il y a des couleurs très violentes qui pourraient passer pour vulgaires comme assemblage. Ouais, ça n'est pas parce que c'est grand. C'est comme un champ, quoi, non ? Voilà. Et ensuite, les jardiniers eux-mêmes, c'est eux qui, à leur initiative, mettre telle plante, telle autre, l'entretiennent de cette façon ou telle autre. Si bien que les jardiniers ne sont pas considérés comme des exécutants ou comme des reproducteurs. Mais ils portent le projet. C'est eux-mêmes qui, d'année en année, le construisent, le transforment, le modifient. Souvent avec la vie des gens qui disent, tiens, cette année, cette fleur-là nous plaît bien, celle de l'année dernière était bien, si on en remettait un peu plus. On a beaucoup fréquenté ces lieux, on s'est intéressé à voir comment les gens fonctionnaient et on voulait que simplement la transformation des quais ne modifie pas la manière dont les gens en faisaient usage. Alors on a imaginé par exemple ces bancs qui sont beaucoup plus grands qu'à l'UIT, non ? C'est des bancs beaucoup plus grands. Et ce qui nous intéresse dans le fait de leur taille, c'est que c'est comme un curseur sur lequel vous vous installez et vous pouvez glisser. Vous pouvez mesurer l'approche très particulière que vous avez avec la personne qui est assise à côté de vous. Et ce qui a été beau dans toute cette histoire des quais de Bordeaux, c'est que les gens, au fur et à mesure que les travaux avançaient, nous ont suivis et nous ont accompagnés et ont immédiatement fait usage de ces lieux. Et donc ça, c'est la dernière séquence, c'est le parc des sports. C'est le seul espace vraiment vert de toute la séquence. Parce que ce quartier est un quartier extrêmement populaire, qui n'avait pas du tout d'espace vert. Donc ils ont là une aire de jeu, ils ont une grande prairie, et toute une série d'installations de jeu, et un grand quai en bois qui longe le fleuve. Alors,
pourquoi vous avez tout d'un coup décidé de passer du béton au bois alors ? Parce que on n'est plus dans le fleuve avec sa paroi verticale, avec ses bollards, mais on est dans un sentiment plus naturel, quoi. Bord de rive. Oui, bord de rive. Un projet réussi, c'est un projet où on ne s'aperçoit pas qu'un paysagiste ou un architecte s'est énervé à faire les choses. Mais que les choses, on a l'impression qu'elles sont là de toujours. Depuis toujours. De toute évidence. Si vous voulez, je suis passé de la pensée architecturale, on pourrait dire, ou la pensée créatrice, où je m'exprimais, où on voyait très clairement que je faisais les choses, à une sorte de souci qui est devenu presque maniaque du contexte, où c'est le contexte qui finalement dicte les choses. Vous avez cette façade continue, magnifique, avec ces bâtiments qui succèdent, dont certains sont très très beaux. Vous avez le fleuve qui est très très beau et vous avez ce grand espace. La beauté, elle était là. Moi, j'avais qu'à travailler en deuxième œuvre, c'est-à-dire, je n'avais pas à gesticuler et à jouer les bras forts avec tout ça. Il fallait que je sois discret. On a travaillé avec un programme. Oui. Bon, oui. On avait un grand maître d'ouvrage, mais on avait en préalable à tout cela des conditions de travail qui étaient assez exceptionnelles. Vous voulez dire qu'il était très précis, le programme ? Le programme était extraordinairement précis. On a reçu une caisse entière où on avait dedans toute l'histoire de la ville, on avait une iconographie absolument formidable. Et puis chaque chose, chaque élément, chaque équipement était décrit. Et donc, on n'avait pas à se poser la question de savoir ce qu'on faisait là, tout était déjà... Oui. Donc, vous répondiez vraiment à une question. Il y avait une vraie question qui était posée. Par exemple, ici, on savait que face à ce quartier, il fallait absolument faire un grand espace vert avec des équipements sportifs, parce que ce quartier manquait. Donc, on n'avait pas à se poser toutes ces questions. Les Bordelais aiment ce lieu, le fréquentent. Et avec Alain Juppé, souvent, on se disait, si on arrivait... à faire en sorte que les gens partent moins souvent au bord de la mer et restent plus souvent à Bordeaux, on aurait gagné quelque chose. Et on a réussi. La ville se déploie vers son fleuve, ce qu'elle avait complètement oublié de faire pendant des années et des années. Le fleuve avait été confisqué au fond. Oui, donc c'est un retour. C'est un retour à l'histoire. Bordeaux, toute l'histoire de Bordeaux était liée à son fleuve, jusqu'au port autonome. Quand les bateaux de plaisance viendront en plus grand nombre, on va retrouver l'ambiance qu'elle avait à une époque où le fleuve était occupé par tous les bateaux.